Coucou. Bon, je vous fais un tout petit truc là. Je démarre. Il est 9h30, même pas 9h27. Je vais aller faire des courses à Lidl et je vais voir le nouveau magasin Candy et Joyeuse Fée qui s'ouvre ce matin, qui a dû ouvrir à 9h. Donc je vais y aller là. J'ai pas chaud, j'ai pas chaud dans la voiture, il y a 4 degrés là pour l'instant, 4 degrés dehors. Donc c'est pas énorme. Et je vous ferai un petit retour de ce que j'ai trouvé, si je trouve quelque chose à Candy, Joyeuse Fée, tout ça, et puis mon retour de course de Lidl. Voilà, donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à la suite pour voir si j'ai trouvé des bricoles. De toute façon, il faut que je trouve des LED. Ça c'est sûr, il faut que je trouve des LED et des petits sujets. Voilà, donc, et puis peut-être des branches de sapin, des branches rouges, enfin je sais pas, je vais voir ce que je vais trouver. Allez, bisous et à tout à l'heure, enfin à la suite. Bon, je suis arrivée devant le magasin Candy, c'était fermé, donc ça doit ouvrir qu'à 10h. J'en ai profité pour aller chercher de l'essence qui est juste en face, et là, je vais faire mes courses chez Lidl, et je vous reprends après si je vais chez Candy, j'espère que ça va ouvrir. Allez, à plus, à tout à l'heure. Bon, Lidl c'est fait, l'essence c'est fait. Maintenant, je vais voir si Candy est ouvert. Il est 10h20. Si c'est pas ouvert, je file jusqu'à Action. Voilà, à plus. Bon, Candy a dû avoir un problème parce que c'était fermé. Donc, je suis arrivée chez Action. Je vais aller faire mon petit tour à Action, voir si je trouve... mes LED, et j'en ai trouvé chez Lidl, mais un peu plus cher, mais je vais en acheter là chez Action. Je voudrais trouver des petites boules rouges et puis des branches de sapin. Donc je vais voir ce que je trouve. Allez, je vous fais ça en retour tout à l'heure. Voilà, me voilà revenu. Donc j'ai sorti tous mes sacs. Enfin, tous mes sacs. Oui, quand même. Ouh, je suis toute plissée. J'ai mon petit nez qui coule. Je sais, c'est pas poli en vidéo, mais c'est pas grave. On est toutes faites pareil. Donc, faut que je sorte. Ça, c'est quoi? Lidl. Je cherche mon ticket de... Ça, c'est quoi, ça? Mon ticket de Action. Ça, c'est la farfouille. Ça, c'est la farfouille. Action. Voilà. Donc, j'étais... Alors, comme je vous ai dit dans la voiture, je voulais aller chez Candy. Candy, apparemment, il y avait un problème parce que c'était pas ouvert. Donc, vous êtes tout de travers. Voilà. Donc, j'ai fait mes courses chez Lidl, que je vais vous faire une vidéo à part. Ça va être à part. J'étais à Action. Et j'étais à la farfouille. Et j'étais, alors, j'ai été chercher de l'essence, comme je vous ai dit une fois, je ne veux plus en prendre dans les supermarchés de l'essence parce que apparemment elle n'est pas bonne. Puis là, je dis bon, là ça marche bien, ma voiture elle marche bien, j'avais pris de l'essence il y a un moment, comme je roule pas beaucoup. Et puis là, je l'ai pris quand même à une pompe à essence Super U. Et blanc, mon voyant s'est rallumé en arrivant. Alors là, je ne comprends pas du tout, ça peut venir que de l'essence. Donc, heureusement, j'en ai pas mis beaucoup, enfin, j'en ai quand même mis pour 40 euros, hein. je n'ai pas rempli le réservoir. Et la prochaine pompe, mais pas supermarché, je vais en remettre pour que ça se mélange, parce que je pense que c'est ça qui me fout mon truc en l'air, ça m'énerve, mais ça... Je roulais bien depuis un moment, depuis que j'avais pris l'essence dans une pompe à essence, vraiment, mais pas supermarché. Et là, je dis, oh, allez, je vais remettre quand même un peu, on verra bien. J'en mets pour 40 euros, bof, il s'allume. Bon, c'est pas le sujet. Je vais vous faire le retour Action. Donc, je ne sais pas si je vais vous... Donc, j'ai pris un sac, hein, comme d'habitude. Donc, j'ai repris des petites boules rouges, comme ça. J'ai repris des boules rouges comme ça. J'en ai pris des marrons. Ne me demandez pas ce que je vais faire avec, je n'en sais rien du tout. Mais j'ai dit, peut-être que je vais faire un décor avec du marron. Ça se peut. Donc j'ai pris deux rouges, deux marrons. Je suis pas en peine de boules, j'en ai encore. Hein. Donc les boules, je me rappelle plus combien c'était. Je vous les ai déjà dit il y a un moment, mais je me rappelle plus. Boules, c'est 1,99. Donc j'en ai 4 paquets. Donc voilà. Bon, il y en a une qui est cassée à l'intérieur.
j'ai vu. Mais ça, bon, je l'ai vu, la fille, elle me dit, il y en a une qui est cassée. Elle me dit, oh, je sais pas grave, laissez, je suis pas une boule près quand même, hein, c'est pas grave. Donc, j'ai pris ça. J'ai trouvé des rondins en bois comme ça. Comme là, je vous ai montré que je faisais des petites décos avec mes rondins. J'en ai pris 3 paquets, mais il n'y en a que 2 dans chaque qui m'intéressent. Les autres sont vraiment trop petits. Je verrai ce que je fais avec. Donc, j'en ai pris 3. 1, 2 et 3. Alors, les rondins de bois, c'est rondelle de bouleau, le filet, 1,49. 1,49, j'en ai pris 3. J'ai repris un rouleau comme ça, j'ai dit, ça sert toujours. C'est pas que j'en avais vraiment besoin, mais j'en ai repris un. Or, ça, je ne me rappelle plus. Emballage 1,99 le rouleau. Ensuite, bon, j'ai repris des LED là, seulement des 20. J'en ai pris 5, je crois. C'était 75 centimes. Attendez. Moi, je crois que c'est 5 que j'en ai pris. Parce que j'en avais trouvé à Lidl, mais elles étaient vraiment trop chères. Je vais les garder pour moi. Voilà. 5 comme ça, des 20 LED, 75 centimes. C'est bien pour faire mes petites créas. Ça me suffit, ça. Donc, j'en ai pris 5 comme ça. J'ai pris. Alors, je l'ai pris, c'est pas pour la faire en couronne, c'est pour récupérer le. Comment? L'herbe, les feuilles. Mais je crois qu'elle est illuminée. Je crois que. Je sais même pas s'il n'y a pas un boîtier. Ben non. Il me semble qu'il y a des petites lumières dedans. Ça me fait l'impression qu'il y a des petites lumières. Mais de toute façon, c'est pas grave. Je vais récupérer juste les branches. Non, non, elle n'est pas illuminée, celle-là. Donc, c'est pour récupérer les branches de sapin que j'ai pris. Donc, ça, c'est la couronne en branches de sapin. Bon, ça va me faire un moment, ça. Hein. Ça fait cher sur le coup, mais après, ben, vous en servez l'année prochaine. Guirlande, perles, c'est pas ça. Couronne verte, elle est à 5,95. Mais ce qu'il y a, je vais récupérer. Et là, j'ai besoin que de peut-être une dizaine de branches. Donc, il va m'en rester pour d'autres l'année prochaine. Ensuite, en petite déco, j'ai trouvé. Alors, il n'y avait plus rien. Ça se battait en duel. J'ai trouvé ça, ce petit nounours-là. Alors, je me dis, avec mes boules marron, ça va pouvoir le faire. Voilà. Et j'ai trouvé une petite biche. Mais j'en avais déjà une biche comme ça. Mais bon, j'ai dit, je la prends. Elles étaient perdues dans le fond du casier, donc je les ai pris. Il n'y avait rien d'autre, sinon j'aurais pris, mais il n'y avait rien d'autre. Donc j'ai pris ça. C'est animal, 67 centimes. Suspension plastique animal, ouais, c'est ça. J'en ai qu'un, je dois en avoir un autre quelque part. Suspension plastique animal 87. Alors il y en a un à 67 centimes et l'autre à 87 centimes. J'ai trouvé que ça, c'est pas terrible, terrible. Mais surpris quand même un petit truc comme ça pour avoir bah, les sapins et pour avoir les petits sujets. C'était moins cher que si je prenais, vous savez, les petits couples là, c'était plus cher. Donc ça, j'ai calculé, ça faisait moins cher. Donc ça, c'est. Alors ça c'est je sais pas comment qu'ils appellent ça, suspension, rondelle, automne, hiver, 9 pièces, ça doit être ça. Non, si c'est ça, 3,99. Mais bon, il y a pas mal de petits sujets, donc l'un dans l'autre, ça revient moins cher. Donc j'ai pris ça. J'ai pris quand même une petite luge comme ça, il n'y avait plus avec la petite fée, donc j'ai pris avec des petites pignes de pain comme ça. J'ai bien trouvé quelque chose. Vous voyez, même seulement le nounours ou je sais pas. Je vais voir ce que je vais pouvoir faire avec ça. Donc la petite luge, la suspension animale, suspension traîneau 1,49. Bon, c'est pas donné quand même, 1,49. J'ai pris deux choses de perles comme ça en bleu.
et en doré. Mais le doré est pas terrible, hein, je trouve. Bon, enfin bon, j'ai pris quand même. J'ai dit ça sert toujours. Même si c'est pas pour cette année, comme je vous dis, ça sera pour l'année prochaine. Donc les guirlandes de perles, c'est 1,24. Donc 1,24, c'est bon. J'ai pris. Alors, ça, c'est des sets de table. Alors, j'en ai pris un doré et un rose. Parce que je pense que mon autre plateau tournant, mais je ne vais peut-être pas le faire cette année, je le ferai l'année prochaine. Je vais le faire avec un dessous comme ça. Regardez, c'est rose brillant comme ça. Et celui-là, je l'ai pris or. Je trouve qu'ils sont jolis. Il y en avait des beaux, il y en avait toutes les couleurs. Ils étaient beaux. Hein. Donc, j'ai pris ça. Alors, ça, c'est fait. Alors, comment? Les sets de, ils appellent ça des sets de table. J'ai vu que c'était marqué sets de table. Suspension, fil lumineux. Ben, emballage, c'est pas ça. Boule, guirlande. Sac, 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 couronne, Magic Village, set de table pailleté, voilà, 1,49. 1,49 le set de table comme ça. Ils sont jolis, hein. Ensuite, j'ai pris de la neige, j'ai dit, on sait jamais, je peux en avoir besoin. Donc, la neige poudreuse, là. Magic Village, neige poudreuse, c'est pas ça. Si, c'est 99 centimes. Et alors, comme j'ai plus de fourrure, j'ai pris un. Mais je vais pas le découper tout de suite parce que j'ai acheté autre chose à la farfouille. Vous voyez, j'ai pris un dessous comme ça en peau de moumoute, là. En peau de moumoute. C'est imitation de fourrure. Voilà, imitation de fourrure. Je vais le garder pour l'instant. Je vais pas le découper parce que c'est quand même assez doux, c'est joli. J'ai pris ça. C'est la fourrure. Je crois qu'elle était à 4 euros, quelque chose. Suspension. Holo. Boule de Noël, boule de Noël, guirlande, set de table, Magic Village, couronne, cadeau. Bah, j'en sais rien. Alors attendez, sac, 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 couronne verte, Magic Village, poudreuse, set de table, guirlande, boule de Noël, rondelle, suspension, ruban adhésif, figurine. Imitation de peau de mouton. Voilà. Imitation de peau de mouton, 3,79. Donc, je trouvais que c'était pas si cher. Et alors, j'ai pris, je ne sais pas combien, un, deux. Alors, je vais vous montrer des sacs cadeaux comme ça. J'en ai pris un comme ça. Enfin, plusieurs. Hein. J'en ai pris deux comme ça. Peut-être qu'il y en aura, il y en aura d'autres. J'ai pris avec un nœud. Encore avec un renne. J'ai pas fait trop attention, hein. J'ai dit je vais pas m'amuser à chercher. Avec une canne, avec un sapin, encore avec un sapin, avec une canne, avec un nœud, et encore avec un sapin. Voilà, donc j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, j'en ai pris 10 pour mettre des petites choses pour mes petites filles et ma fille. Hein. Au lieu de faire des paquets cadeaux, je vais faire ça. Bon, hein, même si elle les voit en vidéo, ça me gêne pas trop. Hein. Sac cadeau, c'était 68 centimes le petit sac cadeau comme ça. Je trouve que c'est pas mal pour faire. Puis je vais passer là pour pas qu'ils voient ce qu'il y a dedans. Comme ça, je marquerai le nom. Et puis, je trouve que c'est pas mal. Que d'acheter du. Bon, vous me direz, ça revient moins cher d'acheter du papier cadeau.
Mais là, j'ai dit, je vais changer, je vais faire... Parce que j'avais pris du papier rouge pour faire les cadeaux, mais Coco a fait son décor en papier comme ça, donc voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais reprendre la farfouille. J'espère que j'aurai assez de place sur ma carte. Et je vous montre ce que j'ai acheté à la farfouille. Voilà, maintenant, un petit tour à farfouille. J'ai trouvé deux, trois petites bricoles. Et ben, je vous fais tout ça en rentrant. Allez, maintenant, je rentre à la maison. J'ai assez dépensé. Allez, un gros bisou et à tout de suite. Bon, je continue avec la farfouille. Bon, la farfouille, il y a beaucoup moins de choses. Si, il y avait quand même. Donc, bon, j'ai pris un sac, hein, comme d'habitude, hein, parce que à chaque fois, j'y vais sans rien. J'ai pris une petite chose comme ça pour mettre sur mes crayons, une petite loco comme ça. J'ai trouvé que c'était mignon, c'est dommage, il n'y avait pas de wagon, sinon j'aurais pris des wagons. Bon, je dois recevoir des trains demain, hein, mais j'ai quand même pris ça. J'ai dit, ça peut me faire une petite déco. Donc ça, la petite suspension, le train, 1,49. Bon, à farfouille, c'est plus cher que... Quoi que c'est plus cher. Pas ces petites choses-là, je pense pas. Mais voilà, j'ai pris ça. J'ai pris un petit renne comme ça. Je l'ai trouvé super mignon. Pour mettre... alors celui-là, il est à 1,29. Vous voyez, avec sa petite écharpe. Je trouvais qu'il était mignon comme tout. Avec sa petite écharpe, 1,29. Pour mettre dans mes décos, c'est bon. Ensuite, j'ai pris une petite luge. Ah oui, j'ai trouvé qu'elle était mignonne aussi. 1,99. Bon, faut que je fasse attention sur quelle création je mets ça. Parce que je ne vais pas mettre ça sur un truc, mettons que je vends 5 euros, je ne vais pas mettre ça. 2 euros, je vais pas mettre ça sur un truc que je vends 5 euros. Hein. Je vais me mettre sur autre chose. Mais j'ai trouvé qu'elle était mignonne comme petite luge avec la petite voiture, les petits cadeaux. Il y a même un petit sapin derrière. Je trouve que c'est super mignon. Ensuite, j'ai pris... Ah oui, j'ai pris une guirlande d'ours comme ça pour récupérer les petits ours. Attendez, je vais l'ouvrir. Ça va faire du bruit. Je vais récupérer les petits ours. C'est une guirlande. Regardez ces petits ours, ils sont mignons. Pour mettre sur mes créas, je trouve que c'est mignon. Il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 petits ours. Donc, je les trouvais super mignons. Donc, ça, j'ai payé ça. Attendez. Ah, à la farfouille, ils ont des belles choses hein, quand même. Là, je vais remettre. Ouais, je vais remettre là. Donc, ma petite guirlande d'ours. 4,99. 7 petits ours, 4,99. Bon. J'ai pris aussi des perles rouges comme ça, parce que je cherchais des branches avec les petites boules rouges. Pas moyen d'en trouver. Donc ça, j'ai payé ça par contre 3,49. Mais il y en a pas mal. Hein. C'est des petites... C'est une guirlande, mais que je peux récupérer les boules. Je les coupe et puis voilà. J'ai pris des piles parce que j'étais à Lidl, j'étais à Action, j'ai oublié de prendre des piles. Donc, je les ai pris à la farfouille. Je ne sais pas donner les piles. Hein. Quand j'irai à Leclerc, je vais en reprendre. 4,99 et il y en a 2, 4, 6, 8, 10. Je peux faire 5 créas. Voilà. Donc, il faut que je calcule aussi ce que ça fait. Ben, ça fait 1 euro par créa, quoi. Non. 4,99, mettons 5, mettons 5 euros, 10, oui, ça fait 50 centimes la pile, ça fait 1 euro de pile. Voilà, vous voyez, tout ça, il faut le calculer quand même. Et alors, ce que je vous disais, j'avais acheté une peau de mouton, là, enfin, une fausse peau de mouton à Action, et j'ai trouvé un tapis de sapin blanc à 2,99, et j'ai dit, ben, ça peut faire l'affaire pour faire mes dessous. Regardez. Alors, attendez, parce que, voilà, c'est un dessous de tapis blanc, mais je vais récupérer, moi, le blanc pour mettre sur mes créas. Vous voyez, j'en ai pas mal, c'est un rond. Bon, là, il y a un petit fil, là, sûrement. Ouais, il va falloir que je le... Attendez. Oui, ben ça, je verrai ça après. Donc, c'est un rond, hein, pour mettre... passer le tronc de l'arbre là-dedans, mais moi, je ne vais pas m'en servir comme...
De toute façon, je ne suis pas de sapin, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas de sapin. Il y a un fil là. Je vais le couper. Voyez? Vous passez votre sapin. Bah, il ne faut pas qu'il ait un gros tronc, hein, mais voilà. Voilà. Donc, je vais récupérer ça, le blanc, avant de me servir de la peau de mouton. Si j'avais trouvé ça avant, je n'aurais pas acheté la peau de mouton, hein. Enfin bon. Ah bah, et puis un peu. Vous voyez, ça se. Il y a un scratch. Hop. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé que c'était pas mal. Voilà. Bah, écoutez, c'est tous mes achats. Après, je vais vous faire. Je vais vous faire ma vidéo sur Lidl, mais j'ai déjà chargé cette vidéo-là. Voilà. Bah, écoutez, sur ce, je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir regardé. Je vais ranger tout ça. Quelle heure il est? Midi un quart. C'est bon, je vais ranger, je vais manger. Je vais d'abord tourner ma vidéo Lidl. Et puis on se retrouve hein, dans une prochaine vidéo. Et j'ai aussi mon calendrier de l'Avent à ouvrir des madeleines. Mais ça, je vais faire peut-être sur 2-3 jours. Je ne sais pas. Voilà. Donc je vous laisse. Et puis bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Et merci d'avoir regardé. J'ai plein de colle, plein de trucs là. Allez, bisous.